Et avec nous, l'équipe de Captive d'Atom et Goyan. Bonjour Atom, bienvenue et bienvenue à votre casting. Bienvenue Mireille Hénoz, bienvenue Rosario Dawson et bienvenue Ryan Reynolds. Merci à tous d'être là à Cannes pour nous présenter ce film en compétition. Atom et Goyan, d'où est venue l'envie de ce film, Atom, de ce thriller poignant qui parle de du kidnapping des enfants, des réseaux pédophiles? D'où est venue l'envie d'une histoire pareille? En fait, dans la ville où j'ai grandi, au Canada, il y a un enfant qui a disparu un jour. L'enfant jouait dans le parc, la femme, la maman a détourné son regard et tout de suite après, l'enfant était disparu. Quand j'y retourne, je vois toujours les affiches pour cet enfant. Les parents sont toujours dévastés de ne pas avoir l'enfant et c'est une histoire qui me parle. Je ne sais pas comment les gens peuvent vivre avec ce scénario et j'aurais voulu savoir ce qui s'est passé à cet enfant. Donc, je laisse libre cours à mon imaginaire. Donc, c'était ça la racine de mon histoire. Je voulais regarder notre réaction à la perte et notre besoin de l'espérance. Et justement, cette réaction à la perte des parents de Mireille et de Ryan, on a l'impression qu'il y a un deuil impossible à faire, qu'ils sont toujours dans la souffrance. Impossible de se reconstruire, non, pour vos personnages, Ryan, Mireille. Comment vous les avez préparés ? Ryan Reynolds. Pour moi, c'était très intéressant. Le scénario d'Atom, comme il a déployé les différents fils de l'histoire, c'est une tragédie, c'était intéressant. Le croisement entre l'espoir dans un mariage et comment il peut être détruit. C'est intéressant, les deux personnes qui ont développé une stratégie de survie dans la situation de perte. Surtout vous qui n'ont jamais trouvé de réponse. Pour moi, j'aimais bien l'impact sur leur couple. Mireille. Moi, j'ai une fille, moi-même, donc c'était pas si difficile que cela pour moi d'imaginer la situation. On a parlé des différentes étapes de la tristesse, mais quand on est sans puissance, quand on est impuissant devant une telle situation, comment réagir? C'est impossible pour ce couple de continuer à vivre ensemble, selon vous, Atom et Goyan, après une tragédie pareille? Ils s'aiment. Mais elle, le personnage de Mireille, est toujours dans un présent éternel. Le kidnapping se reproduit sans cesse. Et ce film étudie la torture infligée entre un couple. Il y a trois couples dans le film. Et chaque couple a des rapports très complexes, mais toujours avec un degré de torture, soit consciente, soit pas consciente. Mais ces gens sont liés. Et Ryan ressent ce poids énorme parce qu'il a fait une erreur parentale très simple. Les gens le font souvent, mais lui, sans relâche, il est puni. Il se punit lui-même. Mais il y a cet amour entre les deux qui est constant pendant le film. Ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Ils se sentent tous coupables. Tout le monde se sent coupable dans cette histoire. Est-ce que votre personnage aussi, Rosario Dawson, porte en elle une forme de culpabilité? Je ne sais pas, elle recueille ses enfants qui viennent lui raconter des histoires, ses enfants qui sont kidnappés. Comment elle vit toute cette histoire? Comment elle arrive à survivre d'ailleurs à tout ça avec le micro, Rosario? Ça doit être super difficile pour quelqu'un dans ce métier. On a effectué quelques recherches pour nos personnages et selon ce que l'on a trouvé, il faut qu'ils secouent le tout. Ils ne peuvent pas rester sur place puisque sinon vous êtes détruits. On ne peut pas couper l'interrupteur. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont avec la famille, ils sont toujours en train d'examiner le visage de chaque enfant en disant « Est-ce que ce visage correspond à une image dans ma bibliothèque de photos ?» C'est constant. Et ce niveau de stress est intéressant. Même si la personne n'est pas impliquée dans l'histoire, n'est pas impliquée dans le couple, mais il y a une intimité entre elle et le couple parce qu'elle doit se mettre dans leur place constamment. Il y a tellement peu de récompenses. Elle fait tout un discours où elle raconte qu'il n'y a pas de happy end dans son travail. Il y a des millions de sites pour pédophiles. Il n'y a pas suffisamment de policiers pour faire face à la situation. Et ils voient les enfants qui grandissent avec les photos. Ils essaient de suivre les différents enfants comme mon personnage. Elle dit, je crois que c'est le visage âgé de cette petite enfant. Et vous voyez la torture. C'est horrible pour tout le monde. Ryan Reynolds, d'ailleurs, votre personnage ne fait pas confiance à la police.
Non, tout à fait. En fait, lorsqu'on regarde autour de vous, vous voyez les kidnappings, les résultats ne sont jamais excellents. Donc, mon personnage, la moteur derrière mon personnage est l'espérance. Donc, il ne fait pas du tout confiance dans la police, ce que la police va trouver, quel est le point de vue de la police. À un certain point, mon personnage est suspect lui-même au début. Et donc, il doit faire face à sa culpabilité. Et donc, il a ce fardeau qu'il transporte tous les jours avec lui. C'est une chose atroce. Donc, c'est un type qui est à fleur la peau. Il a ses sentiments à fleur la peau. Il est sur le bord du gouffre. Ce qui est étonnant dans votre film, je sais que vous aimez les installations vidéo, bien sûr, vous aimez cette nouvelle technologie, Atom et Goyan, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont traqués, effectivement, ces pédophiles, on essaye de les traquer sur Internet, mais eux-mêmes traquent leurs victimes, les regardent, filment eux-mêmes leurs victimes, les parents des victimes. C'est, d'où est venue cette idée-là? Tout est possible. Notre société regarde constamment. Et pour cette culture, il y a sûrement des sous-cultures. Et ces sous-cultures peuvent plier les technologies de mille manières. C'est un type de réalité ou de télé-réalité cauchemardesque. On ne sait pas qui est-ce qui observe. C'est peut-être nous-mêmes. Nous sommes impliqués également, puisque nous, on regarde le film et c'est fascinant pour moi de créer cette tension avec le spectateur. Est-ce que le spectateur est conscient qu'il aussi est impliqué? Ce n'est pas irréel, loin de là. Quand un être humain a la possibilité de transgresser de cette sorte, alors l'attraction va augmenter, l'appétence augmente, et c'est une extension de cette idée-là. On regarde la souffrance des victimes, mais il y a capté sur pellicule une mémoire. Donc c'est très élaboré et orchestré. Nous ne savons jamais qui est-ce qui regarde, mais nous savons que nous regardons. C'est vrai que c'est très inquiétant. Le paysage aussi, parce qu'il y a ces caméras, il y a ce monde intérieur, il y a ces souffrances, et puis il y a ce paysage autour, hivernal, des chutes du Niagara. Comment vous avez choisi ce paysage? Pourquoi avoir choisi ce paysage-là, Tom Egoyan? J'ai l'impression que c'est aussi une part de votre film. En fait, il y a deux questions, bien sûr. La nature est forte. Il y a la continuité des forces naturelles. Et c'est un fil conducteur dans mon film. Mais au niveau pratique, les chutes de Niagara se trouvent sur la frontière. Il y a donc beaucoup de transports, de traverser des frontières. Donc c'est une communauté en mouvement constant. Beaucoup d'hôtels. Et nous savons que ces événements se produisent souvent dans un hôtel. Il est sombre, mais magnifique par la même occasion. Et les chutes de Niagara l'hiver, c'est une métaphore formidable parce que les chutes sont presque gelées. Donc il y a une énergie qui est captée et qui va être relâchée un jour. Donc j'ai toujours eu envie de filmer les chutes de Niagara. C'est la ville des lunes de miel. Honeymoon City, tragique honeymoon, oui, effectivement. Merci beaucoup à Tom Egoyan. Merci Rosario Dawson, Mireille Hénos, Ryan Reynolds. Captive, donc, en compétition pour ce 60e Festival de Cannes, de nouvelles images de Captive.